Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une Memory d'ex. Et donc, cette fois-ci, c'est Sandrine Roux qui m'avait envoyé un défi. Donc, il m'avait laissé un défi sous une des précédentes vidéos de défi. donc, de faire une mémo sans strass, ni fleurs et monochrome. Alors, comment vous dire que sans strass, ni fleurs? Bon, sans strass, c'est faisable. Sans fleurs. Non, c'est faisable aussi, mais monochrome, c'est pas forcément ce que je fais beaucoup. Donc voilà. Donc je suis partie sur du bleu. Pourquoi du bleu, je ne sais pas. J'ai regardé dans mes fonds de Memory d'Aix, j'ai trouvé ce bleu sympa. Bon, il y a du bleu clair et du bleu un peu plus soutenu, hein, donc on a des bleus. Et là, je vais venir faire mon fond en bleu. Et je pars sur le thème de la mer. Voilà. J'ai sorti cette planche dont je ne me suis pas encore servie. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ici, je vais prendre un mode farniente. Je pense que ça peut être sympa avec l'esprit mer, plage, été, vacances. Voilà. J'avais envie du en mode farniente. Voilà, voilà. Ça, c'est une planche qui vient de chez Florilège. Objectif vacances, si ça vous intéresse de le savoir. Voilà. Donc. Pour faire ça, je vais changer un petit peu de mes distress, de mes magicals et autres poudres. Voilà, je vais prendre mes aquamarqueurs. Voilà, donc là j'ai pris deux bleus, je ne sais pas lequel je vais prendre. Oula. Ouais, je vais prendre celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'inspire. Donc c'est le numéro 63, s'il veut bien se montrer. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais venir le faire sur du rhodoïde. Je prends une petite feuille de rhodoïde et je vais venir mettre mon encre dessus. Hop, je pense que c'est plutôt pas mal. De l'eau. Hop, hop, hop. Ouais, j'y vais gentiment avec l'eau. Je vais prendre un mouche-mouche. Parce que là j'en ai mis partout. Vous voyez pas? Mais moi je vois. Hop. Là, je vais venir bien mélanger tout ça avec les doigts. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, soit je viens poser directement dessus, soit je viens poser ça sur mon fond. Ouais, on va faire l'inverse. Allez, hop. Ça dégouline un peu, mais c'est pas grave. Ouais, j'en ai beaucoup trop, mais bon. C'est pas grave non plus. Alors, je veux pas que ce soit trop foncé, donc je vais venir enlever le surplus. Là, c'est beaucoup trop. Ah, le gaspillage, vous me direz. Mais je les garde, mes mouches-mouches, donc c'est pas vraiment du gaspillage. Hop. Hop. On va faire en sorte qu'il reste pas de blanc. Sinon, on va me dire, non, c'est pas bon. J'étais trompée. Hop. Hop. Hop là, ici. Oula. Et si j'y allais avec le doigt, vous en pensez quoi? Ça ira peut-être plus vite, non? Ah, mais ça. Ça fait ventouse. Ça fait ventouse, ça colle. J'ai quoi là? La colle. Alors. Hop. Je viens combler mes blancs, hop, avec de l'encre. Hop, 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 hop. Donc j'ai encore d'autres défis hein, que j'ai notés depuis la dernière fois, depuis un moment même déjà. Il m'en reste encore quelques-uns à faire. Ben, celle-là, je l'ai faite pour le coup, je ne l'ai pas validée. Alors GG, il faut vraiment que je revoie avec toi, ma GG, si tu passes par là. Parce que ton défi, j'ai rien compris. Pas tout compris, donc ouais, je pense que je vais peut-être t'envoyer un petit mail même avant que tu voyes cette vidéo. Oh là là, ah oui, on n'a pas tout le temps de voir les vidéos de toutes et puis toutes les vidéos de toutes, surtout moi je suis à la bourre, mais alors partout c'est atroce. Ce temps-ci, j'ai pas envie de regarder de vidéos YouTube. Voilà. Donc, je sais pas pour vous, mais voilà. J'ai les mains dans un état dégueulasse. Bref, j'aime bien le fond que ça rend, ça fait bien fond marin, j'aime beaucoup. Donc là, on dirait qu'il y a du blanc, mais non, il y a du bleu. Hein. Je précise, il y a du bleu partout. Ah mince, quel...
cruche je suis. Et oui, je voulais... Ouf, je vais faire ça avec ça. Alors, j'espère que je vais pas abîmer mon étiquette. J'ai fait des petites étiquettes comme ça. Hop, hop, hop. Tout plein d'étiquettes. Et donc, je vais prendre celle-ci pour mon sentiment. Parce que ça cale dedans. Et je voulais faire le fond bleu, justement. Quoiqu'un peu plus clair, ça aurait peut-être été bien. Là. On va mettre du clair et du foncé. Comme d'hab, tout à l'envers, Marie. Hop, un petit peu d'eau. Sauf que j'espère que ça va pas... que l'eau va pas abîmer mon contour, parce que je l'ai fait à la memento. Ça serait ballot. On va prendre un autre mouche-mouche. On va vite la tremper dedans. Et hop là. Ouais, je la retamponne un petit peu pour pas que ça... Ouais, ça devrait le faire. Hop. J'enlève le plus gros, en fait. Allez, hop, ça va aller, ça va aller, hop là, c'était vraiment question de ne pas avoir de blanc dans le fond. Est-ce que, vu que j'en ai d'autres sous la main, est-ce que je vais en mettre une autre ou pas? Je vais refaire la petite à côté, pour être sûr, il suffit que je vais m'en servir, je serai obligée de recommencer, donc, hop. Là. C'est bon pour ça. Comme ça, elle a le temps de bien sécher. Bien. Pas parfait non plus, mais bon. Donc, mon étiquette, je vais sécher tranquillement. Je viens prendre... Alors, ouais, l'encre, ça peut être pas mal en plein milieu, là. Alors, je vais venir tamponner l'encre. Alors, pour ça, par contre, je vais prendre... ouais. J'ai deux mêmes, non, j'en ai même trois bleus. La bleu foncé, j'ai peur que ça aille pas. Prendre ces deux-là. Donc, mes petites memento, c'est pareil, je les ressors ces temps-ci. Ça faisait un moment que je m'étais pas servi. Donc, voilà. Donc, un bloc, ça serait bien quand même pour tamponner. Ben oui. Ben oui, ben oui. Donc, ma petite encre, je vais la faire en bleu, en plein milieu. J'espère que ça va le faire. Et c'est ça que j'ai oublié de sortir. Des découpes sur le thème de la mer. Je voulais regarder ce que j'avais et j'ai oublié. Donc, hop. Ouais, ça ressort bien. Alors, je suis désolée pour la lumière. Hein. Il y a à pleuvoir d'un coup, c'est gros nuages. Donc, j'étais obligée d'allumer la lumière. J'aime beaucoup ce que ça rend. Donc, je m'épose le temps que ça sèche un petit peu, le temps d'aller chercher ce que j'avais prévu de prendre et que j'ai oublié. Et je reviens. Alors, me voilà de retour. J'étais sortir une autre planche de tampons donc, de chez Action. Je veux juste les petites bulles qui sont là. Hop. Donc, j'aurais peut-être pu coller mon... Non, je le collerai après. Alors, par contre, je suis en train de penser, c'est mon sentiment. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ben, il va être par-dessus l'encre. Ah mince, quelle boulette! La boulette, la boulette. Ah, quelle cruche! Je vous jure. Hein. Ouais, puis si je le mets en. Non, si je le mets en. Ça va pas le faire. Alors, regarde la taille qu'il fait. Vous savez quoi? Je vais tamponner. Allez, viens là, mon petit. Je vais le tamponner parce que je sais qu'il ne fait pas toute la taille de l'étiquette. Donc, si je peux couper l'étiquette et qu'on puisse ne pas cacher les trois quarts de l'encre, ça serait bien. Donc, je tamponne avec la même encre avec laquelle j'ai tamponné l'encre. C'est trop fois le mot encre, là. Hop. J'espère que ça va le faire. Hop. Ouais, ça le fait. Donc... bien au bord, comme ça je peux la découper. Ouais, j'aurais peut-être dû le faire de l'autre côté. Pourquoi ce côté? Je ne sais point. Ben, vous savez quoi? Je vais la mettre comme ça. Ça peut être pas mal. Hop, et je vais la découper au bord. Bon, je la découperai après. Bon, c'est bon. Pour ça, c'est fait. Donc, j'ai été chercher les petites choses que je voulais en découpe, qu'on m'avait envoyées. Je savais qu'ils étaient dans le coin. C'est plein de tout petits poissons. Alors, par contre, ils font plus vert, ceux-là, que bleu.
Ça fait un peu turquoise, mais bon. Ou sinon, je vais me servir que de ces trois petits-là. Je vais pas en mettre trop. Ouais, je vais prendre les plus clairs. Quoique le foncé, il est pas mal là aussi. Ouais, allez, hop, on verra. Donc déjà, cela sûr. Quoi qu'il en soit, je voulais rajouter donc les petites bulles pour les poissons. Ça va peut-être faire gros, ça. Alors, je vais pas les mettre. Voilà, ça c'est fait. Et je vais venir prendre celui-là et celui-là. Donc, pareil, il me faut un pad d'encre, soit un pad acrylique. Hop. Et on va rester dans les bleus. Sauf que là, je vais changer de bleu. Je vais prendre l'autre. Espérant que ça rentre bien sur le bleu là. Parce que là, j'ai pas l'air de voir grand-chose. Ah si, on le voit. Ah bah si, on le voit bien à l'écran. J'allais vous le rapprocher, mais en fait, on le voit même mieux à l'écran que moi, je ne le vois. Donc, comme quoi. Je vais en mettre un deuxième par ici. Un peu plus comme ça. Hop. Plutôt pas mal. Elle va être très légère, cette Memory Dex, je le sens. Et pour l'étoile, j'ai envie de changer de couleur. Donc là, pour le coup, soit je prends du plus foncé, soit je tape dans les Distress Oxide. Pardon, je vous fais bouger. Broken China. Ouais. Ouais. Hop. Ici. Ouais, elle est plus foncée, mais ça passe. On va juste essayer d'estomper un petit peu. Donc c'est encore frais, on va dire. Hop. Et pareil de l'autre côté, comme avec le coquillage, l'escargot. Hop, ici. Et pareil. Hop. J'estompe un tout petit peu. Et ça reste dans les tons bleus. Du monochrome à souhait. J'ai envie d'essayer quelque chose. Voir si mes bleus ressemblent à ce bleu-là. Ça m'étonnerait. Un bout de papier. Hop là. Pas le même bleu encore. On va prendre un plus clair pour voir. Ouais, j'ai envie de zigouigoui. Ah, celui-là, il est peut-être ton sur ton. Il est peut-être pas mal. Ça, c'est plus un turquoise. Non, ça ne va pas le faire. Donc, je vais prendre celui-ci. Je changerai les autres après. Je vais venir faire mes zigouigouis que j'aime bien. Même s'ils ne se voient qu'un tout petit peu, c'est pas grave. Hop. Là, je suis en train de me dire, j'aurais pas dû les mettre. Pourquoi? Je sais pas. Oh, si, c'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Hop. Ouais, c'est pas vilain. Donc, je vais venir mettre mes petits poissons, ma colle. Hop. Alors, comment je les positionne déjà? Désolée. Ah oui, mais alors attends. Marie, je ne fais pas de bêtises. On a dit que l'étiquette allait venir par ici. Non, je crois que je ne vais pas mettre le foncé. Je vais juste mettre les trois plus clairs. Dans l'autre sens, toi. Hop. En mettre un dans l'autre sens, dans l'autre direction, qui est par là, et l'autre par ici, au plus bas, tiens. Ouais, je vais faire comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais coller ça.
Je ne tiens pas comme il faut. Et la colle est bouchée. Hop, on prend une autre. Si elle veut bien. Hop. Là. Ah, c'est trop petit dans mes gros doigts là. Mes gros doigts boudinés. C'est rikiki. Est-ce que je ne mettrais pas le sentiment en 3D? Vous en pensez quoi? Sentiment, le petit mot là. Je pense que l'idée pourrait être bonne, moi. Je bouche ma colle avant qu'elle bouche. Qu'elle se bouche, tout simplement. Hop. Je trouve pas mes autres ciseaux. C'est pas grave. Alors, je vais d'abord couper l'étiquette. La mettre droite, ce serait bien, l'idéal. Hop. C'est pas droit, ça. J'arrive, j'arrive. Hein. Je suis à vous dans 2 secondes. Hop. Hop là. Hop là. Et hop. Donc. Hop. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Hop. Et donc, pour remplacer les bulles, je vais mettre des... Et en même temps, remplacer les strass, hein, je vais mettre des cristal drop. Cristal drop. Ouais, j'arrive plus à parler. Alors, je vais en faire des tout petites, tout petites. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, pas terrible. Mais j'aime beaucoup l'effet. Ici. Là. Les tout petites, celle-là, les grosses. Bon, vous savez quoi, je vais rester sur la même couleur. Je ne vais pas prendre une autre. Hop. Ouais, c'est plutôt pas mal. Non, alors je vais prendre l'autre Crystal Drop de l'autre couleur un petit peu plus claire pour. Comme si je venais rajouter des strass ou des demi-perles. Pourquoi ici? Hop. Une là. Une ici. Et une ici. Je crois que si je ne les avais pas mis, ça aurait fait pareil en fait. On a encore le temps de les enlever, donc on les enlève. Que je ne mette pas les mains n'importe où par contre. Voilà. Ouais, non. Parce qu'au final, elle servait à rien. Ben non, parce qu'au final, je la trouve plutôt pas mal, ma petite Memory Dex. Par contre, j'ai oublié de la coller avant de mettre les Crystal Drop. Quelle cruche. Et l'autre étiquette, je ne m'en serais pas servie. En fait. C'est pas grave, ça servira pour une autre créa. Hop, 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 hop. J'arrive, j'arrive. Je mets bien la colle partout. Et on va essayer de la positionner sans faire de bêtises. Là où il y a déjà des cristal drop. Ouais, alors par contre, je trouve que le fond va plus forcément. Oh, quoique. C'est pas choquant. Ouais, c'est pas les mêmes bleus, quoi. Hop, hop, hop. Ouais, le fond, c'est plus forcément ce qui va avec, en fait. C'est pas choquant, mais quand même. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais venir prendre encore une autre bleue. Mermaid Lagoon. Je vais les voir dans un état. Hop, et je vais venir ancrer. Ouais, j'aime bien.
suis un peu généreuse là au niveau ancrage des bords, mais bah oui, Marie fait des bêtises, mais dans partout. Oh là là, ouais, je crois que j'ai vraiment été trop généreuse. En fait, au niveau de l'encre, il n'y en a pas tout. Hop, et je trouve que ça va mieux maintenant avec le reste. Voilà. Mais pour le coup, je crois que j'ai fini. Une mémoire avec sans fleurs, ni strass et monochrome. Je pense qu'on y est. Hop, je vous la remontre correctement si on veut bien. Je vous la montre parce qu'ici, c'est pas très. L'image n'est pas très nette. Donc voilà, donc j'espère avoir réussi le défi. Je pense que oui. Là, ça me perturbe. Bon, bref, je ne peux pas y faire grand-chose pour le coup. Elle aurait été assez simple au final. Et j'aurais quand même mis 21 minutes. Et pourtant, il n'y a pas eu grand-chose de fait dessus. Voilà, mais moi, je la trouve quand même très mignonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres suggestions de défis pour des Memory Dex ou autres, hein, pas forcément que des Memory Dex, mais bon, j'adore ça. Voilà, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, moi, je vous abandonne ici, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut !